Améliorer la présentation du texte avec d'autres attributs. Nous pouvons indenter le texte. La propriété text indent va décaler le texte légèrement vers la droite pour faire un retrait de première ligne. Alors, comment faire cela? Eh bien, on va prendre un exemple avec le paragraphe P. Donc là, on va aller dans la définition des autres sélecteurs. On va sauter une ligne. On va définir la balise P avec une règle qui sera la suivante, c'est-à-dire que dans cette attributé, dans cette balise P, on voudrait qu'il y ait un décalage de 30 pixels, c'est-à-dire qu'il y ait un retrait de première ligne de 30 pixels. Alors pour faire cela, on va utiliser la propriété text indent avec l'accolade. Non, deux points, pardon, je dis des bêtises. Donc P, on va mettre text indent, deux points, et là on va dire 30px pour faire ce décalage de 30 pixels. Et je referme mon accolade. Voilà, donc là ma propriété est faite. Si je regarde mon site, normalement tous les paragraphes, partout où il y a du P, on va avoir un décalage de première ligne de 30 pixels. Je l'active. Et donc là, normalement, il y a un petit décalage de 30 pixels à chaque fois, chose qui n'apparaît pas. Donc on va reprendre rapidement et voir ce qui se passe. Peut-être que je n'ai pas sauvegardé. Ctrl S, je retourne. On réactualise. Voilà, hop, j'ai le C là qui a bien bougé. Et donc on voit qu'on a ce petit décalage pour tous les paragraphes. Voilà. Là, on est sur deux lignes, là l'outre-maritime. On voit qu'il est bien décalé de 30 pixels. Il a décalé un petit peu à chaque fois. Là, on voit mode de vie, il y a ce décalage de 30 pixels à chaque nouveau paragraphe. Autre propriété, on va gérer l'alignement du texte. Donc l'alignement, c'est écrire le texte à partir de la gauche, écrire le texte par rapport à la droite, ou bien le centrer. Donc ce que je voudrais, c'est que mon titre de niveau 1, c'est-à-dire la loutre d'Europe, au lieu d'être calé à gauche, il soit écrit bien au milieu. Pour faire cela, on retourne sur Notepad++, on va là où on a défini le niveau d'en-tête H1, et on va rajouter une propriété qui est la propriété TextLine. TextLine, deux points, et pour centrer un texte, on va lui mettre center, point virgule, CTRL S, et on visualise la page, on va voir si ça se centre. Hop, voilà, la loutre d'Europe est bien centrée. Par contre, elle est décalée vraiment vers la droite, ça me paraît un peu bizarre, parce que voilà. J'étais pas en zoom à 100%, donc du coup ça a basculé. Voilà, là on est bien centré. On va maintenant voir que avec le HTML5, là c'est vraiment une propriété HTML5, il est possible d'ombrer le texte. Alors ça c'est la propriété TextShadow qui va permettre de le faire. Alors pour faire cela, il va falloir appliquer cet attribut TextShadow sur la balise H2. Alors, H2, on retourne. Donc, en H2, on regarde d'abord ce qu'il y a en H2. Nous avons protection, mode de vie et caractéristiques qui sont à H2. Donc, je vais retourner. On décrivait donc le H2 en jaune, en petite capitale. Et là, hop, on va rajouter une nouvelle propriété qui est text-shadow. Deux points. Et on va mettre 2 pixels, 2px, espace, 2px, 2px, espace, 4px. Et on va le mettre en blue. Alors, j'explique ce que j'ai fait. On a ici le décalage vertical de l'ombre.
le décalage horizontal de l'ombre, donc 2 pixels vers le bas, 2 pixels vers la droite. Ensuite, on a 4 pixels de dégradé, en dégradé sur 4 pixels, et l'ombre sera bleue. On a choisi une couleur d'ombre qui sera bleue. Contrôle S. On va tout de suite voir ce que ça donne. J'actualise. Hop, voilà. Donc on a 2 pixels, 2 pixels, donc 2 pixels verticalement, 2 pixels horizontalement, dégradé de 4 pixels. Et on voit bien que c'est bleu. Derrière caractéristique, on voit bien qu'on a écrit en bleu. Même chose pour protection, même chose pour mode de vie. On va également augmenter un petit peu la taille de ces titres, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre en normal, on va écrire en XX large, extra large, donc ça va être beaucoup plus gros. Donc je retourne ici, le titre H2, il est là, donc on va rajouter un font size qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, deux points, XX-large. Point virgule. Contrôle S. On revient là. On actualise. Et on voit que protection, mode de vie est écrit en beaucoup plus gros. Autre personnalisation que l'on peut faire, c'est espacer les lettres ou les mots les uns des autres. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est espacer, toujours sur le titre H2, les lettres les unes des autres un petit peu plus. C'est-à-dire que je vais demander un espacement de 18 pixels entre chaque lettre. Donc ça, c'est la propriété Letter Spacing qui va permettre de le faire. Donc je reviens dans mon H2, je rajoute une nouvelle règle, Letter Spacing, deux points, et là on va mettre 18 pixels, 18px, point virgule, contrôle S, on rebascule ici. On actualise et on voit vraiment que là, toutes nos lettres sont bien espacées les unes des autres de façon très importante. On aurait pu espacer les mots les uns des autres. Quand on a la loutre d'Europe, on aurait pu souhaiter séparer la loutre, loutre d'Europe un peu plus. À ce moment-là, il aurait fallu utiliser un word spacing au lieu d'un letter spacing. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait écrire en minuscules, qu'on pouvait mettre en petites majuscules, donc les petites majuscules sont des minuscules transformées en majuscules d'une taille inférieure, mais on peut également transformer ce qui est en minuscule en majuscule, ce qui est en majuscule en minuscule. Donc pour basculer tout ça, on pourrait très bien demander d'appliquer un text transform en capitalize sur le titre de niveau 1. Titre de niveau 1, il est ici. Donc si je reviens sur mon H1 qui est là, je peux appliquer un text transform capitalize capitalize point virgule. Donc ça va mettre tout en capital. Et donc du coup, j'ai enlevé l'accolade. On va se retrouver en majuscule. Il m'a tout enlevé, donc là j'ai dû faire une bêtise. J'ai oublié le point-virgule ici. Hop, contrôle S, on revient là, on réactualise. Il me le remet au milieu. Et alors j'ai dit une bêtise, la loutre d'Europe, capitalize, ça va vous permettre de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Automatiquement, en fait, la première lettre de chaque mot est mise en majuscule. On a différentes valeurs hein, pour cette transformation. Capitalize, ça met la première lettre de chaque mot en majuscule. Uppercase met tout en majuscule. Lowercase met tout en minuscule. Donc on a le choix entre ces trois valeurs-là. On peut aussi gérer l'interligne. L'interligne entre... Donc l'espace, c'est l'espace entre les lignes. Alors, pour gérer cet espace entre les lignes, c'est la propriété line 8. Donc là, on va se mettre dans un paragraphe. On voit la hauteur entre les lignes
d'un même paragraphe. On va se mettre ici, on voit bien l'espace qu'il y a entre les paragraphes. On va aller sur la balise P. Et là, je vais modifier la règle. Je vais rajouter line 8. Line 8, deux points. Et là, on va mettre 24 pixels. Donc là, on passe à un interligne double normalement. Ctrl S, je rebascule ici. Donc on voit l'espace qu'il y a là. J'actualise. Hop, on voit que tout a été espacé un petit peu plus. On voit bien qu'on a sauté une ligne en fait. On peut maintenant parler des pseudo-éléments qui vont permettre de faire quelques des mises en forme sur des morceaux de sélecteurs. Alors, on va par exemple souhaiter que le titre de niveau 2 ait sa première lettre dans une autre mise en forme. Donc, protection, le P, je voudrais le mettre en forme d'une autre manière. Alors, le problème, c'est qu'on a un élément qui est le titre H2, mais arriver à isoler la première lettre, c'est plus compliqué. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les pseudo-éléments qui vont se noter de la façon suivante. Je reviens sur mon éditeur de texte. Je cherche le H2 et mon pseudo-élément, je vais le mettre juste à côté du H2, comme ça au moins il ne sera pas très loin. Ça définit la mise en forme du H2. Et pour modifier la première lettre, en fait, je vais faire H2, deux points. Et là, je vais rajouter first letter. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pseudo-élément. C'est un sous-élément de H2. Il n'y a pas second letter, bien sûr. Il y a juste cette propriété-là, first letter, qui permet de modifier le premier caractère. Donc lui, comme spécialisation, on va le mettre en gras. Donc je suis ici, je vais à la ligne. On va mettre un font weight. Deux points bold, point virgule, et puis on va changer la couleur. Color, deux points, alors on va écrire en hexadécimal, donc je mets un dièse, et au lieu d'utiliser deux caractères de rouge, de vert, de bleu, je vais en utiliser qu'un seul. On peut aussi mettre 3, 3, 3, donc je mets un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Donc là, je n'ai pas codifié sur deux caractères les couleurs, rouge, vert et bleu, mais sur un seul. Je fais point virgule, je ferme mon accolade. Voilà. On sauvegarde et il ne nous reste plus qu'à afficher. Voilà, et là j'ai modifié la première lettre de mon titre H2. Il nous reste un dernier point à voir. Un ou deux points. On va traiter maintenant des bordures. Alors, les bordures, c'est ce qui entoure le texte. Ce que je peux gérer, c'est la largeur de la bordure, donc l'épaisseur, le style, est-ce que c'est un trait plein, un trait double, des pointillés, et la couleur. Alors, pour faire cela, nous avons des propriétés qui sont différentes. On va donc essayer différents types, enfin, on va essayer un type de bordure. Donc, on va mettre une bordure à la notre citation, là, au bloc code. Donc pour mettre une bordure au bloc code, on va retourner sur notre section qui concerne le bloc code, que l'on commence à chercher parce qu'on en a pas mal, c'était dans les autres sélecteurs, bloc code. On va rajouter ici un premier attribut qui va être border style. De point inset. Point virgule. Alors le border
Still Inset, ça donne un espèce d'effet 3D assez sympathique. Je ne vais pas aller plus loin, on va juste l'enregistrer et on va regarder ce que ça fait. On actualise et on voit qu'il y a cet effet 3D, donc un trait noir en haut, un peu gris en bas, qui donne un espèce d'effet de profondeur. On va maintenant faire ce trait un peu plus épais, donc on va le définir en large. Je reviens. Je vais rajouter une nouvelle propriété qui va être border size. Deux points large. Point virgule. On enregistre, on revient ici et on actualise. Donc là, il est un petit peu plus gros. On aurait pu mettre du XX large si on avait voulu quelque chose de beaucoup plus important. Par contre, il est noir alors que là c'est bleu. Donc à mon avis, il y a une faute quelque part et ça n'a pas été reconnu. Je vais enlever mon point virgule. Je vais le remettre. C'est border width. C'est moi qui fais une bêtise. C'est border width, WIDTH, qui permet. Voilà, et là, il est bien bleu. Donc on voit bien l'intérêt du correcteur. Donc je fais un contrôle S, je retourne ici, j'actualise, et là, donc on a notre bordure qui est un petit peu plus importante. Enfin, on va changer la couleur. On va mettre une couleur avec l'attribut border color. Deux points. En hexadécimal. Et on va reprendre une codification sur deux caractères de rouge, 33, de vert, 66, et de bleu, 99. Point virgule. Contrôle S. On actualise. Et là, on voit que on passe sur des tons de bleu. Mon border width, je vais l'exprimer en pixels, ça sera mieux. On va mettre 10 pixels. Enregistrer, on visualise, on actualise, voilà, et là on a une bordure qui est beaucoup plus épaisse. En fait, large ne marchait pas. On a mis des bordures tout le tour de notre citation. On aurait très bien pu mettre une bordure que en haut, que en bas, que à gauche ou à gauche et en bas. Donc c'est vraiment, on définit la bordure là où on veut. Pour faire cela, on va simplement non pas utiliser l'attribut border, mais border left, border right, border top et border bottom. Donc là, on va mettre un border-left-style inset, border-left. Tirer width 10 pixels, border tirer left, tirer color 33, 66, 99. Là, ça va me mettre juste un trait à gauche normalement. On enregistre, on actualise, et j'ai bien qu'un trait à gauche. Alors, je vais juste modifier les valeurs parce qu'en fait, c'est pas ce que j'avais mis dans l'exercice. On va à la place mettre un type solide. On va écrire en orange. On a la possibilité de mettre des mots-clés plutôt que des valeurs hexadécimales. Et on va mettre en épais. Thick. C'est pas large, c'est thick. On enregistre et on actualise. Donc de montrer de bleu.
Il passe à l'orange. Nous avons aussi la possibilité de mettre des bordures qui sont arrondies. Ça, c'est une spécificité de du HTML5 et du CSS3, la possibilité d'arrondir les angles. On a vu que là, quand on avait mis des bordures tout le tour, on avait une bordure qui était carrée. Alors, on va voir ça à travers un exemple du H1. Au niveau du titre H1, j'aimerais que l'arrière-plan, au lieu d'être bien carré, comme ça, il soit arrondi, les angles soient arrondis. Alors, on va revenir sur l'attribut et on va arrondir les bordures. Donc, pour faire cela, on a une propriété sur le H1 qui s'appelle BorderRadius. Border-radius. Deux points. 20px. Non, 10px simplement. 10px, parce que 20 ça fait quand même beaucoup. Contrôle S, on enregistre, on affiche le résultat. Et là, on va voir que les bordures, au lieu d'être carrées, elles vont s'arrondir. Hop, voilà, là on a bien des arrondis. On peut également, sur cette même bordure, mettre une ombre portée. Comme on avait porté une ombre sur le texte, on peut mettre une ombre sur la bordure. Donc ça, c'est ce qu'on a pas appelé la propriété box shadow. Donc ça fait une ombre sur la boîte, puisqu'en fait c'est une espèce de boîte qu'on a définie ici. On va revenir ici sur le titre H1 et en dessous, on va mettre un box shadow. On va mettre donc de 6 pixels en vertical, 6 pixels, 6px vertical, 6px en horizontal, 6px de dégradé. Et en couleur, on va mettre blue. On rebascule ici, on actualise, et là on a bien ce dégradé bleu qui apparaît. Voilà pour cette vidéo sur les autres attributs de mise en forme.